Bonjour, donc suite à vos nombreux messages pour me dire j'ai suivi le tutoriel à la lettre, ça ne fonctionne pas, j'ai fini par le retester et effectivement il y avait une petite coquille. Donc cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un tutoriel vidéo, donc ça c'est pas très intéressant ce que je vous montre. Donc je suis allé sur le site, j'ai été retesté, j'ai modifié ce qui n'allait pas et ce qui n'allait pas c'est uniquement deux petits paramètres. Donc le bitrate pour le son c'est à 96 qu'il faut le mettre, au-delà ça ne fonctionne pas. Le planar c'est 4200 et surtout l'aspect ratio il faut le mettre à custom. Donc je suis allé chercher une vidéo là de suite, donc je la sélectionne. Donc vous voyez que l'original est à 1280 par 720, c'est de la HD. Donc je lis mes paramètres, j'invente rien, ça ne change pas. Custom AVI AVI, on prend vidéo N et audio. Ensuite, on va dans l'onglet vidéo. Dans l'onglet vidéo, on choisit Convert, Motion JP, Framerate à 15. Alors là, on met bien Color Mode à 4.2.0. On met un Constant Rate. Ici, j'ai choisi 62 parce que je veux que ça aille vite. Et le GOP, vous pouvez mettre 15, ça me paraît bien. Plus vous augmentez cette valeur-là, plus votre qualité sera meilleure, mais votre vidéo sera plus lourde. Ensuite, on va dans la partie audio. Dans la partie audio, on choisit Convert MP4 24 mono, Constant Bitrate 87. Ça, c'est très important. Il y a des sous-titres, mais on ne va pas s'en servir, on les laisse passer. Ensuite, on va dans Résolution. Résolution, j'ai déjà sélectionné. Je vais sélectionner. Choisis 480, 272, soit vous mettez ce que vous voulez. Et surtout, vous mettez custom dans la liste. Vous mettez custom, c'est le plus important. Vous pouvez regarder la vidéo. Donc, la vidéo. Bon, j'ai choisi une vidéo qui n'était pas en français. Donc, maintenant, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, il ne vous reste plus qu'à ajouter à la file d'attente et appuyer sur en compte. Ça va prendre un certain temps, donc je suis vraiment vraiment désolé. J'avais testé, mais j'avais dû mettre custom et je ne l'ai pas reporté dans l'article. Donc là, ça met un petit peu plus de temps et je suis en train de faire fumer mon ordinateur, vous l'entendez? Parce que là, il est en train d'enregistrer la vidéo, le screencast, etc. Bon, oui, exceptionnellement, je suis sous Windows, c'est des choses qui arrivent. La vidéo est finie. Donc, on va aller la chercher pour aller la mettre sur la store. Alors, un bon indicateur, c'est la petite image. Si vous voyez la petite image, c'est qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne. Bon, ça, c'était un test. En fait, c'était le premier test, celui qui a été fait pour générer la vidéo. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, il va falloir me croire sur parole. Hein. Donc, pour voir la vidéo. Donc, comment je vais faire? Ben, je vais peut-être faire une pause. Une pause dans la vidéo. Si, c'est bon. Top. Donc, la story est en train de s'allumer. Comme vous le savez, c'est affreusement long. C'est tout le défaut de cette. Donc, voilà, la vidéo qu'on a mise, c'est. Celle-là. Une minute. Là, je prie parce que si ça fonctionne pas, je me répète. Et donc là, vous constatez que tout peu, on avance un petit peu. Voilà. Réaliser sans trucage. Voilà, bon, on s'aperçoit que la qualité est pas top, mais au moins ça fonctionne. Voilà, fin de vidéo.